Madame, mademoiselle, monsieur, vous venez de télécharger entièrement légalement une œuvre dont vous pouvez disposer. Vous pouvez la distribuer, la filer à vos potes et tout ça gratos, bien sûr, y'a pas de soucis. Tu veux de la musique gratuite, gratos, gratos. T'as dit ton fil et t'assures que c'est du bon matos. On voit tous les politiques en lutte. Les majors voient que tous les artistes ne sont pas des putes. Tu veux de la musique gratuite, gratos, gratos. Va sur le net, t'auras l'overdose gratos. Leur putain de système basé sur le fric. Que tous les artistes posent sur le net leur dynamique. Si je te mets le fire, je valide. Tout ça vaut qu'à d'une. La bataille est engagée, faut qu'on reste unanime. Restez pas en stand-by, restez pas victime. Faut s'allier, faut s'allier, faut s'allier tous à vos machines. Je valide, tout ça vaut platine. La bataille est engagée, faut qu'on reste unanime. Faut que la musique reste libre, indépendante, qu'elle vive, qu'elle reste comme un livre qu'on n'aurait jamais fini de feuilleter. Ça légifère à l'Assemblée, tentative de blocage. Les majors se noient dans ce grand marécage. Le web 2.0 est noyé sous les flots. Les comptes amateurs, les vidéos, tout ça c'est chaud. Et madame dit avec ma musique, spectateur de tout ce cirque, adhère du forum et du clic. Prends des claques musicales en écoutant des artistes inconnus, méconnus qui mettent à dispo leur musique. Download ma son for free. Pourquoi tu crois que je m'écosie? Download ma son for free. Donner sa musique c'est si facile. Download this song for free. Pourquoi tu crois que je m'écosie? Download. I give it to ya for free. I give it to ya for free. Download me free. Chevalier, tout ça vaut platine. La bataille est engagée, faut qu'on reste unanime. Restez pas en stand-by, restez pas victime. Faut s'allier, faut s'allier, faut s'allier, tout ça vaut machine. Chevalier, tout ça vaut platine. La bataille est engagée, faut qu'on reste unanime. Faut que la musique reste libre, indépendante, qu'elle vive. Qu'elle reste comme un livre qu'on n'aurait jamais fini de feuilleter. Chevalier, tout ça vaut platine. La bataille est engagée, faut qu'on reste unanime. Restez pas en stand-by, restez pas victime. Faut s'allier, faut s'allier. Faut s'allier tous à vos machines. Chevalier, tous à vos platines. La bataille est engagée, faut qu'on reste unanime. Faut que la musique reste libre, indépendante, qu'elle vive. Qu'elle reste comme un livre qu'on n'aurait jamais fini de feuilleter. Sur le réseau du libre, c'est là que j'ai diffusé. Je bac la monnaie pour risque mes textes et mes idées. Big up, big up à toutes les stars du web. Je quitte le son des élites pour écouter celui de la plèbe. Diffuser ma musique est devenue ma drogue. Diffuse ma musique, donne-moi un ou deux blogs. Qui veut des instrus, je t'en donne. Des sons qui tuent, je t'en donne. Des instrus, je t'en donne. Des sons qui tuent, je t'en donne. Pas de crew, pas de bitches, pas de dogs autour de mes baskets. Pas de croupie, pas de midinette. Mon son, je te le donne. Qu'est-ce que ma bataille, pourquoi tu crois que je m'égosille? Faire entendre ma voix, mes idées et ma vie. J'adhère, j'adhère à BN Flower. Dogmatique et porteur de valeur. Anti-sassène, tu perds ton sang-froid. Faut qu'on agisse, faut faire preuve de malice. Anti-sassène, tu perds ton sang-froid. Faut qu'on agisse, faut faire preuve de malice. Dedicated to all the communities for free music. Ce que t'as aimé cette année sur le World Rally Tour? Alors cette année, ce que j'ai aimé sur le World Rally Tour, c'était donc l'étape Cabrières. À Cabrières d'Avignon, là, c'était vraiment un bon spot. C'était super bien shapé. Les mecs, ils avaient bien fait à l'avance. Du coup, on s'est régalé dessus. Ensuite, ici aussi, à Cheptain, c'est pas mal. C'est assez freeride, de dirt, il y a un peu de tout. Après, sinon, sur l'ensemble du World Rally Tour, ce qui était bien, c'était l'ambiance générale qu'il y avait avec les riders. C'était super cool, bonne ambiance. Ça faisait pas compète, quoi. C'est ça qui était cool, quoi. Ouais, salut. Donc moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la... C'est que les quatre manches que j'ai faites personnellement étaient assez variées. Les circuits, c'est pas vraiment les mêmes à chaque fois. Donc là, c'est l'exemple. C'est pas du tout la même chose qu'à Villers. Au Villers, c'était trois grosses bosses. Juka, c'était plutôt en ville. Et la Plume, c'était un slopestyle assez complet. Donc à ce niveau-là, moi, c'est ce qui me plaît sur le World Rally Tour. Avec en plus la taille des modules qui a vraiment évolué. C'est-à-dire... on a vu des bosses de 8 mètres, de 10 mètres, et des gaps de plus en plus gros, donc ça c'est bien. Bah, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que à Paris, il n'y a pas beaucoup de mecs qui roulent en dirt, etc. Et participer à toutes les étapes, ça m'a permis de rencontrer plein de gars super et tout. Et j'ai pu faire mes premiers contests et commencer à gérer la pression et tout.
Et puis là, ça me fait plaisir parce que la plupart sont revenus à Cheptain pour la dernière étape et je suis chez moi, donc je leur présente là où je roule souvent et c'est cool. C'est l'ambiance quoi, en général. Puis c'est ouais, les super spots. Quand on arrive, c'est pas mal. C'est pas mal, ça engage bien. Voilà. Bonne ambiance en général. Les terrains, ils étaient cool. Bon, de temps en temps, il fallait qu'on aménage un peu à notre sauce, forcément, mais. Non, là, en général, c'était cool. Là, on a un terrain assez sympa, surtout freeride. Mais voilà, vraiment, vraiment cool, tout niveau, quoi. C'est. Ouais, avant tout, ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'esprit convivial de tout ce qui est, de cet événement, quoi, de cette tournée en France. Et la chose primordiale, vraiment, c'est de rencontrer. Ben, tu vois, tu montes sur Paris, tu rencontres des gens fabuleux sur Paris, tu vas sur, dans le sud-ouest à Agen, pareil, c'est la même chose. Bon, après, nous, on est plus en local sur le sud-est pour Cabrières, Villars et Joucas. Mais bon, ça permet de rencontrer pas mal de riders, d'organisateurs, de gens qui sont passionnés au même titre que nous. Et ce qui est cool, donc on s'entend tous bien. Et ça, je pense, c'est une des forces du World Ride Tour. Ok, Robin, toi, t'en dis quoi? Moi, ce que j'aimais dans le WRT cette année, ben, c'est le WRT. Non, plus sérieusement, j'ai bien aimé que le niveau se relève comme ça. Voilà, c'est vraiment là je pense qu'on a pris un tournant cette année dans le slopestyle français. On a vu vraiment de grosses évolutions, même chez les jeunes et chez les moins jeunes. Hein, on a tous évolué aussi avec ça. Évolution des terrains avec de plus gros sauts, comme à Villars, on avait la manche de WRT de Villars, on avait un premier saut qui faisait pas loin de 7 mètres. Sur la manche de la plume, pareil, on avait un beau big air à la fin qui faisait 9 mètres. Enfin voilà, tout prouve que le slopestyle évolue en France et que ça tire vers le haut au niveau des terrains, au niveau des riders. Et maintenant, on n'attend plus que l'évolution avec les sponsors. Quoi. Petit message pour les partenaires de l'année prochaine, manifestez-vous, on vous attend. Ok, et toi Flo, tu dis quoi? Ouais, c'est un peu pareil que Cyril et l'IAC. Le IAC et Robin, c'est... C'est justement ouais, l'évolution des mentalités, enfin, du niveau, des spots, la bonne ambiance sur les événements, enfin, un peu tout ça. Quoi. C'est vraiment un sport qui monte et c'est assez bien. Quoi. Ok, donc toi Flo, t'en penses quoi pour l'année prochaine? Ils auraient peut-être des choses à changer? Est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer? Des gros wow. partenaires pour faire des gros events, des gros événements, du gros partenaire, et il n'y a que comme ça que ça avancera de toute façon en France. Ouais, donc ceux qui ont de l'argent, sortez-le et nous on l'utilisera à bon escient. Voilà. Ce qui serait bien aussi, c'est que tous les riders se manifestent aussi et viennent sur les contests parce que, comme on dit, ça tire vers le haut, on a de plus en plus de gros sauts, mais on n'oublie pas non plus les gens qui débutent et qui veulent vraiment se faire plaisir sur des lignes à leur niveau. Et sur chaque terrain, on essaie à chaque fois de mettre des lignes débutants, donc c'est pas parce que c'est une compétition qu'il faut rester chez soi et aller rider que quand il y a personne. On est vraiment là pour se faire plaisir, pour même aider les jeunes. Enfin, on s'aide tous entre nous, même entre guillemets. On est tout le temps en train de s'aider. Il y a pas de vraie compétition. Enfin, c'est voilà. Faut vraiment que les gens qui raillent dans leur jardin viennent sur les contests, se faire connaître et se faire plaisir. Il y a ce qu'il faut comme terrain, comme aide. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, faut pas hésiter à s'inscrire sur les contests. Et plus on est de fous, plus on ride. Petit bilan à chaud, ouais. Parce que là, on a plus de voix, tous les deux, ni l'un ni l'autre. Donc, super saison. On a été un petit peu emmerdé par la pluie. Donc ça, on n'y peut rien. Et on est motivé pour l'année prochaine, pour continuer. Il y a pas mal de choses qui vont évoluer l'année prochaine sur le World Ride Tour. Notamment dans la réalisation, peut-être moins d'étapes, mais des étapes plus conséquentes, peut-être dans des grandes villes. Il y a des projets qui sont en train de se faire. Voilà. Des nouveaux partenaires, peut-être? Oui, il y a beaucoup de travail. On y travaille depuis en fait le lancement de la saison 2008. On travaille sur 2009 depuis mars. Donc il va y avoir, c'est vrai, voilà, comme disait Alex, peut-être moins de manches, mais un petit peu plus gros. On avait essayé de faire deux manches de plus. Ça a dispersé un petit peu tout le monde. Donc on y travaille. Et puis là, ce qui était intéressant, c'était de voir globalement donc une étendue. Donc on s'est vraiment étendu sur la France, voir un petit peu. Il y avait différents circuits, donc on a sacré vraiment le rider le plus complet, parce qu'on avait du freeride, on avait du dirt, on avait du trail, on avait de l'urbain, on avait tout ça. Donc c'était vraiment un rider complet qui s'est imposé. Du big air aussi. Ouais. Et du big air. Ouais. Peut-être un mot sur ce rider. Sur Yannick. Alors Yannick, super pilote. On a vu la progression. Moi, j'ai rencontré Yannick il y a 2 ans au Mondial.
et j'ai vu son évolution, c'est impressionnant, il a vraiment pris du niveau. C'est aussi un rider qui travaille énormément. Donc voilà, je veux dire, à un moment, il n'y a pas de secret. Et il se prend pas la tête, il est super gentil, il est généreux aussi avec les jeunes, voilà. Donc moi je trouve que c'est un rider exemplaire, c'est un bon gars. Un beau vainqueur pour le World Rider, un beau vainqueur. C'est clair. Bah, ça fait plaisir, hein, c'est sûr, ça récompense un peu tout le travail que j'ai fait cet hiver. Et puis tout au long de l'année, et ouais, donc voilà, super content, heureux, pas rien de cassé, donc c'est ce qu'il faut quoi. Ouais, bonne condition, on a vu, rider complet. On essaye. Hein. Voilà, les gens autour de toi sont plutôt enthousiastes sur ta personne. Dis-nous un peu cette saison, ça a été une belle saison pour toi, même en dehors du World Rally Tour, t'en penses quoi? Ouais, cette année c'était une grosse saison pour moi, du fait que j'ai pu faire mes premières compétitions internationales. J'étais au Vienna Air King, j'ai fait une étape du Qashqai, j'ai fait 2-3 autres compètes, Adidas Slopestyle, voilà. Donc du coup je commence à rentrer un peu dans la cour des grands et c'est là que ça devient vraiment intéressant quoi, et j'espère faire encore mieux l'année prochaine.